Alors que la MRC de Roussillon est en pleine révision de son schéma d'aménagement, l'un des scénarios proposés ouvre la porte au développement résidentiel dans la ceinture verte Châteauguay-Léry. Une décision qui a pour effet d'inquiéter un des organismes de Châteauguay. On a d'ailleurs le porte-parole de SOS Fernand Séguin, c'est Jean Morissette qui est avec nous. Bonjour, merci d'être là. Oui, bonjour. Donc, on est ici. En fait, il y a eu une consultation publique le 15 juin dernier qui portait sur ce sujet-là, mais c'était quoi un petit peu plus le but de la soirée? Mais nous, on est allé là pour affirmer notre opposition. Un des articles qui fait partie du schéma d'aménagement proposé par la municipalité régionale de Comté, okay. C'est un article qui aurait détruit une bonne partie du corridor vert. Oui, Châteauguay-Léry. Châteauguay-Léry. OK. Et donc, dans le fond, est-ce qu'il y avait beaucoup de citoyens? Comment ça s'est passé? Bien, il y avait, si on a eu vent des autres consultations publiques qui ont eu lieu, il y a eu trois autres consultations publiques à part de Châteauguay. Okay. Puis il y avait considérablement plus de personnes à Châteauguay qu'il y a eu aux trois autres. OK. Donc, on voit que c'est un sujet qui tient à cœur au Châteauguay beaucoup. Et vous militez justement pour que des outils là, qui assurent la conservation complète là, de ce territoire naturel-là d'exception soient mis en place. C'est quoi les propositions de SOS Fernand Séguin pour préserver là, le corridor vert? Oui, bien justement, le schéma d'aménagement d'une MRC, c'est un des outils réglementaires qui vise à identifier des zones parmi son territoire et que ces zones ils soient compatibles avec comment on les définit. Okay. Mais dans le schéma d'aménagement, ce que l'on contestait justement, c'est que un article qui était nonobstant, c'est-à-dire peu importe ce qu'on a dit avant, on trouvait que c'était absolument pas compatible avec la zone la zone définie comme à conservation, celle du corridor vert. Okay. Châteauguay-Léry. OK. Et votre organisme connaît bien, justement, cette zone-là du corridor vert Châteauguay-Léry. Est-ce qu'il y a des espèces animales ou des espèces de flore qui seraient vraiment détruites par le développement? Ça serait quoi l'impact sur l'écosystème de cet endroit-là? Oui, il y a beaucoup. Il y a 28 espèces végétales qui sont menacées dans cette zone-là. Et puis, il y a entre autres 313 espèces de champignons. Okay. Donc là-dedans, il y en a 22 qui sont rares, qui seraient menacés déjà. OK. Donc, par un éventuel développement, quel qu'il soit. Oui, oui, oui. Tout ce qui a été... d'ailleurs, ça avait été... Le corridor vert Châteauguay-Léry a été déjà identifié au niveau du plan métropolitain d'aménagement du territoire. Puis le schéma d'aménagement de la MRC doit se conformer au grand plan métropolitain. Okay. Et puis la zone avec toutes les espèces qui fait que l'ensemble forestier est exceptionnel avait déjà été identifiée. Mais dans le schéma d'aménagement et la contestation et les propositions qu'on a faites, c'était vraiment un à part qui, pour nous, avait vraiment pas d'affaire là, qui n'est pas compatible avec l'utilisation du territoire qu'on veut faire pour un milieu identifié à conserver, milieu naturel. OK. Et c'est quoi la suite des choses dans le dossier? Est-ce que vous allez avoir des développements? Comment ça va fonctionner? C'est quoi qui s'en vient dans les prochains mois? OK. Donc, on a un peu plus d'un mois, c'est-à-dire jusqu'au 28 juillet, pour déposer un mémoire écrit. OK. Et puis ensuite, une fois que ça va être fait, on veut aussi rappeler au ministère de l'Environnement. Il s'est déjà prononcé sur le corridor vert il y a un peu plus de 2 ans, parce qu'il y avait eu un projet domiciliaire de proposer à Léry. Et puis, il y a un avis du ministre Hertel qui demandait au promoteur du dit projet à Léry que lui, étant donné toutes les conditions exceptionnelles qu'il y a dans ce boisé-là, que lui, il fallait absolument passer par lui avant d'émettre tout permis de construction dans cette zone-là. Donc, on va rappeler que le schéma d'aménagement n'est pas vraiment, ce qui est proposé n'est pas vraiment compatible à ce qu'il a dit. Donc, c'est ça qui s'ensuit pour nous dans les prochains mois. Et très rapidement, en terminant, ça a été quoi la réponse de la MRC? Parce que j'imagine qu'il y avait quelqu'un de la MRC sur place à la consultation publique. C'est quoi? Est-ce qu'il y a une ouverture? Ou... Ben, je pense que les audiences publiques, c'est un exercice démocratique qui est très valable. On n'est certainement pas contre. On n'est pas non plus contre d'avoir des schémas d'aménagement puis une gestion unifiée d'un territoire. Parce qu'après tout, l'urbanisme et des zones, c'est comme une façon de réglementer la propriété privée et le vivre ensemble. Donc, on n'est certainement pas... Puis on était très heureux de participer à cette audience publique. Donc, M. Morissette, merci. On vous souhaite bonne chance avec votre message. On espère que ça va se rendre aux personnes concernées. Donc, on va suivre le dossier avec attention dans les prochains mois. Merci beaucoup de m'avoir accueilli.